Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo vide-grenier du mardi. Alors la chose que vous ne savez pas, c'est que le vide-grenier que je vais vous présenter, c'est le deuxième que je fais aujourd'hui. On est dimanche et la météo prévoit de l'orage. Le premier vide-grenier que j'ai pu faire, il n'y avait pratiquement personne puisque les gens, avec l'orage, ils ont préféré ne pas venir. Allez, c'est parti. Là, cette fois-ci, c'est dans ma ville de Saint-Quentin. Une brocante que j'ai pu faire il y a déjà un an. Bon, je l'avais plutôt apprécié. J'avais trouvé deux, trois trucs sympathiques. Et ben, j'espère que cette fois-ci, ça sera la même chose. Allez, let's go. On va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Bonjour. Vous les faites à combien les jeux? 5 euros le jeu? D'accord. Et la pop Captain Marvel? 5 euros aussi? D'accord. Bon, bah, je vais faire le tour et puis je vais réfléchir à ça. Merci. Je sais pas combien il est celui-ci. Bon, tu dis. Parce qu'il y a pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'il y a, spécial? Il peut plus marcher. Si, bah, faut voir. On a le même envers, ouais. Bonjour, vous les faites combien les jeux? Oui, 2 euros. 2 euros le jeu? Le jeu? Oui, le jeu. Bah, je vais vous les prendre. Et voilà, j'ai fait le tour de la brocante. Bon, bah, j'ai vu pas mal de choses. Beaucoup de monde quand même absent. C'est normal, ils ont prévu de l'orage dans peu de temps. On va avoir un dimanche orageux. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas grand monde. Bon. En tout cas, j'ai pu trouver pas mal de petites choses. Et bah allez, on se retrouve chez moi pour la présentation de tout ce que j'ai pu trouver. Allez, à tout de suite. Bon, vous avez pu le constater, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Tout simplement parce que, bah, comme je vous ai dit, il n'y avait pas non plus le monde qu'il y avait il y a un an. L'orage ne va pas tarder. Il y a déjà eu des coups de tonnerre et tout ça, là, au moment où je filme. On est en début d'après-midi. Donc, c'était pas très encourageant aujourd'hui de faire, d'être vendeur de brocante. Mais j'ai pu trouver quand même pas mal de choses.
Alors, comme d'habitude, il y aura une seconde partie sur mes trouvailles Pokémon. Là, je me suis encore régalé. C'est simple, c'est au nombre de 29 cartes, dont une plutôt sympa. Donc ça, le petit récapitulatif compte-rendu Pokémon, ça sera pour la vidéo du vendredi. Et là, petit récapitulatif en ce qui concerne tout le reste, jeux vidéo, figurines et tout ça, que j'ai pu avoir dans cette brocante. Alors, il y a du jeu et il y a de la figurine pop. Je vais commencer par la figurine pop. Bon, la vendeuse faisait la figurine 5 euros. Après, quand j'ai vu l'état de la boîte, j'ai réussi à faire baisser le prix à 3 euros. Parce que la boîte est vraiment en mauvais état. Hein? Donc, elle a bien voulu faire un prix. Je lui ai dit que je faisais la collection, que je voulais mettre sur mon mur et tout, et que bon, la seule chose qui me restreignait, c'était la boîte. Voilà. Hein? Captain America, comme je vous ai dit, la boîte est complètement HS. Il n'y a plus rien qui va. Voilà, elle vient de s'ouvrir. Il n'y a plus rien qui va. Mais le Captain America est quand même là, bien poussiéreux. Mais il est là. Donc un petit Captain America qui fait son arrivée dans la collection pop. Alors, je ne vais pas la remettre tout de suite parce que la boîte, elle va tomber en miettes. Petit Captain America. Bon, j'ai réussi à faire baisser le prix, mais je lui ai dit en échange, ok, elle avait bien voulu faire baisser le prix de la pop à 3 euros, et que j'allais quand même prendre quelque chose en plus de son stand. Ça tombait bien, elle faisait des jeux vidéo. Et je pris pour 5 euros, je lui ai pris un Lego Shima sur Nintendo 3DS, donc le voyage de Laval. Alors celui-là, je l'ai terminé sur PS Vita, je l'ai même platiné. C'était même un des rares jeux le platiné sur la console de PS Vita. Donc je lui ai pris ce jeu-là en plus. Voilà, je lui ai demandé la pop, hop, et le jeu, je lui ai demandé un prix de 8 euros au lieu de 10. Bon, elle a bien voulu. Quand la vendeuse ou le vendeur veulent bien, faut pas hésiter, faut pas chercher. C'était même la première fois que j'osais faire ce genre de marchandage. Donc, un petit jeu, donc Lego 3DS, Lego Shima. Un peu plus loin, un autre vendeur faisait des jeux, là, aussi. Des jeux, oui. Et oui. Et oui, des jeux, oui. C'est pas évident, c'est pas souvent. La dernière fois, j'en ai pris, ça commence à rentrer un petit peu plus. Il les faisait 2 euros le jeu. En plus, vous allez voir, ils sont plutôt en bon état. Pour ce prix-là, il y avait donc un Ralph. Alors le jeu c'est Wreck-It Ralph. Je ne sais pas ce que c'est. Ça sera peut-être une découverte. Complet. Et en très bon état. 2 euros. Bon. 2 euros à ce prix-là, on ne cherche pas à comprendre. Donc il y avait celui-là. Donc le Ralph. Et ah, ça, très connu. Moi je l'ai adoré. Il fait partie de ceux que j'ai adoré, mais sur les autres consoles. Un Call of Duty numéro 3, la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que celui-là, je me le referai sur la console. Sur la Wii. Complet. Et pareil. En bon état. Donc ça aurait été 2 euros, donc 4 euros les deux jeux. Ça aurait été bête de louper ça. Donc voilà, en ce qui concerne le compte-rendu de la brocante. De Saint-Quentin, sur Saint-Quentin. Alors vous voyez, il y a de la pop et il y a du jeu vidéo Nintendo. Ouais. Il n'y a pas de PlayStation. Hein. Bon, je vais arrêter là. Comme d'habitude, vous pouvez me dire ce que vous pensez de mes trouvailles. Alors je vais prendre le Captain America. Vous pouvez me dire tout ce que vous pensez de mes trouvailles dans la zone commentaire. Vous avez découvert ma chaîne et vous voulez en voir plus, eh bien
Vous pouvez vous abonner. Il y a la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper. Et il y a aussi le pouce bleu pour m'encourager à continuer. Bon allez, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo, je pense plutôt courte, vous a plu. Et puis la prochaine arrive très très vite. La prochaine vidéo brocante arrive très très vite. Puisqu'il y en aura une le 14 juillet. C'est un vendredi. Donc elle viendra bien avant le mardi. Allez, moi, quant à moi, je vous dis à très vite, à bientôt, pour la suite de mes aventures, de mes vidéos. Salut, salut tout le monde, et encore merci d'être venu. Salut. Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.